In that laboratory, I discovered the turtles. We wandered the sewers until I found this place. The mutagen in our blood began to change us. My sons, you will be legends. Ah mais Didier, putain, il a été chiant, il a été infernal. Bah, alors, le film des Tortues Ninja, pour moi, ça me rappelle finalement mon enfance. On a l'impression de se retrouver tous les dimanches matin, il y a 10 ans en arrière, en petit pyjama, avec un petit bol de smacks, avec un peu de lait chaud, entre deux épisodes de Totally Spies et Titeuf. Jonathan Liebensmann nous a offert un véritable cadeau, un film cornélien, émotionnellement riche. J'ai adoré. Vraiment du grand art. Hein. C'est un film qui met en appétit. Fruité. Tonnes de pizzas. Citronnées. On a juste envie de partir chez Domino's. Caramélisé. Manger une bonne bacon groovy. Équilibré. Rentrer à la maison. Intense. Enfiler ses savates. Et terminer bonsoir. C'est le meilleur film des dernières années. Give me the camera. Oh, she's so hot I can feel my shell tightening. How are you? We're ninjas. Technically we're turtles. Ninja turtles. Bon, je dois dire que ça m'a un peu choqué au départ de voir que les rôles principaux étaient joués par des tortues. Et par une femme. On est dans l'action, notamment grâce à Megan Fox qui est présente dans le film. Moi, j'ai beaucoup été impressionné par la tortue avec le bandeau jaune, qui, à mon avis, est en course pour l'Oscar du meilleur acteur, hein, vraiment. Megan Fox, c'est vraiment l'atout intellectuel du film. Non, en fait, je déconne, elle est juste bonne. C'est génial. La tortue n'est-elle pas le symbole de la sagesse et de l'immortalité chez les peuples hurons d'Amérique latine? Je le crois, si. You fight, you die, as brothers. La photographie du film... L'image était complètement tellurique. ...est vraiment excellente parce qu'elle apporte un aspect torturé et torturant. Torturant. Quand on va voir des films comme Tortue Ninja, on revient à l'essence même du cinéma, ça fait plaisir. J'attends l'exposition Tortue Ninja à la Cinémathèque française. Qui va venir incessamment sous peu, c'est sûr. C'était vraiment très bien. Je crois qu'on s'est jamais pris une telle claque depuis Transformers. La note que je mets, c'est J. Je mets une note. J'hésite entre bleu et rouge. Je mets donc blue sur 5. Je mettrai la mineure, ça vaut carrément pas un do, donc la mineure. Ce film est tout simplement un vin de table, c'est-à-dire qu'à l'étiquette c'est très joli, on a envie de le boire, c'est alléchant, mais au goût, c'est un vieux Beaujolais. Ah oui, honnêtement, aussi... C'est de la merde. Je tiens à dire que c'est une bonne grosse merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Mais comme on en voit de très rares... C'est de la bonne grosse merde. Depuis Fast and Furious 4 ou 5, on n'a pas vu une si grosse merde. La plus grosse merde de l'année 2014. C'est bien nul. La plus grosse merde pour le moment. Tu le diffuses pas, Julien, non, parce que moi, tu le diffuses pas. Je m'appelle Pierrick et je monte du doigt comme ça, tu le diffuses pas. Ce film est tout simplement un vin de table, c'est-à-dire qu'à l'étiquette c'est très joli, on a envie de le boire, c'est alléchant, mais au goût, c'est un vieux Beaujolais.